Voilà le morceau qu'on va bosser aujourd'hui. Donc, c'est un morceau vraiment pour les niveaux 1, débutants. Un accord super simple, on va commencer par le Ré, d'accord? Si vous avez du mal avec des accords, vous allez donc sur le site avotretourdejouer.com et sur les fichiers PDF, vous pouvez regarder donc, la liste des accords. Donc, un Ré normal, Ré majeur. Ok, voilà cette position. Majeur ici, index là et annulaire là. Et on va gratter donc la corde de Ré. D'accord ? La troisième, une, deux, trois, troisième, on va faire une fois, une deuxième fois, et on va enchaîner les deux fois. Deux. D'accord ? N'oubliez pas le médiator de faire, donc cette fois-ci, là je l'ai fait en aller, faites-le en aller-retour, c'est-à-dire la première corde, vous la tapez vers le bas, la deuxième vers le haut, troisième vers le bas, bas, ok, d'accord. Donc on va enchaîner ça deux fois. On ne retape pas la basse, non. Ça veut dire qu'on s'enchaîne une troisième fois. Une fois qu'on a fini ça, on va faire la corde de sol. Alors la corde de sol, regardez, votre doigt, l'annulaire, donc celui-ci, vous ne le bougez pas. Par contre, vous allez faire en même temps cet accord-là, le sol, mettre ces doigts-là ici, d'accord. Donc vous n'allez pas bouger, et vous mettez le petit doigt en dessous de l'annulaire pour faire l'accord de sol, d'accord. Donc à savoir que ce doigt-là, l'index ne va pas vraiment servir sur cet arpège, mais habituez-vous quand même à faire les enchaînements en sol, ça vous servira dans le futur. Vous faites donc un accord de sol, et là vous tapez la corde de sol, la première, sur la corde de mi, et vous grattez les trois autres. Comme on a fait tout à l'heure, en aller-retour et deux fois. Première fois, d'accord. Donc on récapitule, on va essayer de le faire ensemble à un tempo très très lent. 1, 2, 3, 4. Le sol. Et on commence le Ré maintenant. Le Sol. Quand on a fini ça, donc on a fait deux Ré, deux Sol, deux Ré, deux Sol, Ré, Ré, Sol, Sol, Ré, Ré, Sol, Sol. On va faire Mi, Mi, La, La. Donc le Mi, vous faites un Mi mineur, donc ça c'est un Mi majeur. Vous enlevez donc votre index, vous l'enlevez et vous faites donc un Mi mineur. D'accord. Et donc sur le Mi mineur, vous allez gratter, vous allez voir la première corde, la troisième, quatrième et cinquième. D'accord. Et ensemble on fait l'arpège, ça va faire, écoutez bien. On y va ensemble tout doucement. 1, 2, 3, 4. 2. D'accord ? Facile. Le Mi, accord simple. Hein, si vous n'y arrivez pas, je sais pas, mettez-vous à la poterie, un truc comme ça. Hein. Non, ça c'est super simple, l'accord de Mi, il n'y a pas de souci. Vous avez vu comment j'ai mis mon pouce, la position de ma main, d'accord ? Hop. D'accord, sur cet accord. Vous avez aussi le choix de le faire aussi dans cette position, avec de l'air, moi j'appelle ça pour mes élèves les plus jeunes, de l'air entre les doigts, d'accord. Ce qui vous permet de faire une position plus précise et de pointer avec, avec vraiment le bout des doigts. Une fois que vous avez fini le Mi, on va faire le La. Donc ce sera un La majeur. Un La majeur, en fait, tout simplement. Il y en a qui le font vraiment à la position classique, chaque doigt sur une case. Moi je ne m'emmerde pas, comme les trois quarts des rockers qui seront d'accord avec moi. On met son index, on écrase quasiment toutes les cordes, sauf les deux premières, le Mi et le La,
D'accord? À savoir que le Mi en bas, on ne va pas vraiment l'utiliser, donc on va faire ça. Ça fait donc cet accord-là. Vous grattez toutes les cordes, sauf la première, d'accord? Le Mi. Et en l'occurrence, celle du bas, on s'en fout aussi parce qu'on n'entendra pas trop. Faites donc. D'accord? Voilà. Plutôt, on va se centrer sur les quatre du milieu. Et donc là, on va faire le même arpège en commençant par la base de La. Ça fait. D'accord? Alors, on va reprendre cette partie B depuis le début. C'est Mi et La. 1, 2, 3, 4. La. Et on commence sur le Mi. Et le La. Et voilà, vous avez le morceau. Ré. Sol. Sol, Mi, La, Mi, La. Voilà, et en règle générale, essayez d'enchaîner vos accords, non pas doigt après doigt, mais entraînez-vous, même si au début c'est un petit peu pénible, à faire des enchaînements avec tous les doigts d'un coup, un peu comme un tampon. Mi, le Mi, le Sol, le Ré, de suite, d'accord, un La, de suite. Voilà, bon courage et à plus tard. À votre tour de jouer.com.